la fin de l'accès au juge pour tous nos concitoyens, avec un recours étendu à la dématérialisation des procédures et la possibilité de créer des pôles de spécialisation lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un même département. Ces difficultés ne sont cependant que quelques-unes des nombreuses difficultés par ce projet de loi dans lequel la réforme de la justice n'a été envisagée que sous un angle comptable et gestionnaire. Que vous soyez professionnel du droit ou simplement citoyen, nous souhaitons vous dire qu'une seule chose, ne vous laissez pas tromper. Aujourd'hui, le simple bon sens devrait suffire à lui-même. Qui ne comprend pas que vouloir faire encore plus avec toujours moins, c'est une méthode qui ne peut plus fonctionner encore et encore, sans fin. C'est un passage en force uniquement dans un souci budgétaire, et ce n'est pas un progrès. Ce n'est pas un progrès pour le personnel qui travaille au sein des juridictions. La création d'une structure à dimension départementale où les affectations et les délégations géographiques d'un bout à l'autre du département deviendront légitimes. Pas plus pour les directeurs de greffe et les greffiers fonctionnels des tribunaux d'instance qui perdront en autonomie. Et pas non plus pour le justiciable qui demande une protection au juge, un avocat qui garantisse ses droits et que la justice fasse son boulot. Alors avec ce projet de loi qui vide les juridictions de nombreuses de leurs missions, il n'aura plus accès à un service public. Il devra faire appel à des mandataires, à des services privés, coûteux, et il n'aura aucune garantie d'avoir une justice équitable. Dans tous les cas, il n'aura plus affaire à un tribunal. Le projet de loi présenté par le gouvernement sous couvert d'une amélioration de la justice n'est en réalité que le début de la suppression des droits des citoyens. Plutôt que de fournir à la justice les moyens dont elle a besoin, le gouvernement a décidé de supprimer des pans entiers de l'accès aux juges. Pour les victimes de tout type d'infraction, le projet de loi prévoit un dépôt de plainte en ligne obligatoire. En cas d'agression avec violence, une personne âgée devra donc se rendre sur Internet et remplir elle-même plus de 5 pages d'informations détaillées et caractériser l'infraction qu'elle a subie. Le projet prévoit également un allongement des délais de réponse du procureur de la République de 3 à 6 mois en cas de constitution de partie civile et un recours hiérarchique obligatoire et de sorte que le justiciable qui dépose plainte devra attendre au moins un an avant de saisir un juge. Enfin, la création des tribunaux criminels par département prévoit une correctionnalisation des viols considérés comme non graves par le gouvernement. Aujourd'hui, la réforme proposée par la justice, par le gouvernement, ne correspond pas à la justice de demain. Les professionnels du droit et de la justice, avocats, magistrats et greffiers, sont tous réunis pour défendre le droit de tous les citoyens français. La justice est peut-être aveugle, mais elle ne se laissera pas couper la tête. Bravo. L'organisation judiciaire, la réforme présentée aboutit à une privatisation rampante du service public de la justice par un recours massif à l'intelligence artificielle, plus particulièrement pour nos contentieux de masse, jusqu'alors d'ordre public de protection, lesquels ne seront plus jugés après avoir pu s'expliquer oralement sur leur situation devant un juge, mais dont les dossiers seront évacués au moyen d'algorithmes informatiques. Plutôt que d'élever le budget de la justice à un niveau digne de la France, la justice entend supprimer les contentieux et la spécialité des juges, et elle uniquement pour gérer la pénurie, en confiant à un seul décideur départemental le soin de répartir des moyens humains et matériels.